la ferme qu'on a dessinée. Là, c'est la salle de traite. Là, c'est la maison des cochons. Là, c'est le champ de maïs. Là, c'est un tracteur. Ici, c'est la maison où vit le fermier. Une fois dans l'année, dans de très nombreux départements, les agriculteurs et agricultrices accueillent dans leur exploitation agricole les élèves des classes de CM1 et CM2 pour leur présenter toutes les facettes de leur métier et de la vie du monde rural. On va commencer cette journée sous le soleil. On va essayer de regarder toute la journée. Les enfants ont une certaine image de la ferme, du métier d'agriculteur, des exploitations. Ça n'est pas toujours en correspondance avec la réalité. Et le voir de visu lors d'une visite sur le terrain, c'est toujours bénéfique par rapport à l'explication en classe. Donc là, on est à l'endroit, dans les silos où on stocke le maïs. La FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, a créé depuis 15 ans l'opération Fermes Ouvertes. Donc on a démarré en 1990. C'est une opération pour nous très très importante. Il y a un impératif, c'est de s'assurer que l'opinion publique et plus encore les consommateurs comprennent bien qu'il n'y a pas de position entre modernité, modernisation de notre métier, de notre agriculture et la qualité de ces produits. Et à nous de faire en sorte que le métier que nous faisons, qui n'est pas forcément le plus beau métier du monde, mais nous le pensons parce que nous le faisons, garde ce lien très très fort avec ceux dont nous avons besoin tous les jours, les consommateurs. En haut les enfants. Tiens, tu le mets à ton cou. Vas-y, avance. Vas-y. Tu vois le boîtier, une boîte noire là devant. Regarde bien. Donc là, les vaches, elles ont tous un collier. Et quand elles passent devant la boîte là-bas, la machine, elle distribue du concentré. Alors, le vélage, le veau, le petit veau, il naît comme ça. Regardez derrière. Un petit veau, ça sort comme ça. Vous m'en avez parlé l'autre jour. Rappelez-vous les pattes hein de devant d'abord. Les pattes de devant, la tête en premier, voilà. Moi, je suis venu pour voir les vaches, comment on leur donne à manger et tout, pour voir le champ, comment on... Voilà. Là, aujourd'hui, on va regarder, je vais vous montrer, on va faire des TP, comme je vous ai dit tout à l'heure. Transport parisien, oui, c'est ça. Pratique. Toutes les semaines, je viens voir les champs, et tous les agriculteurs font comme ça. Hein. Ils viennent voir comment se porte le blé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, comment. Qu'est-ce que vous voyez? Les feuilles sont jaunes? D'accord. Avec la pluie, ça ne lavine pas le blé? Non. Il lui faut de l'eau. Vous voyez l'épi? Vous voyez les grains? Là où il va avoir les graines? Ah, ben c'est chaque graine, regarde. Tu vois? C'est ce que la batteuse, elle va récolter. Alors, je vous ai mis sur des punaises plein de photos. Alors, simple, le but du jeu, c'est quoi? Faut remettre dans l'ordre tout ce qu'on fait. Il y en a qui suivent, c'est bien. Ça sert à quoi, la boue? Retourne la terre. D'accord, là. Non, tu vois rien. Tu vois, ça détranché pour mettre les grandes dents. Pour mettre les grandes dents. Bon. Voir des enfants, c'est émouvant. Leur montrer ce que l'on fait, nos pratiques. Bah, leur faire voir l'agriculture autrement. Parce que je pense que le message passe d'abord par les enfants. Hein? Donc pour ceux qui font... C'est nos petits ambassadeurs de demain. Hein. La FNSEA et une vingtaine de structures partenaires de l'opération ont mis au point un kit pédagogique qui est remis à chacune des classes participantes à l'opération. Il contient un livre documentaire qui présente les principales productions agricoles françaises et des livrets de jeux pour les élèves. L'opération Fermes Ouvertes est aussi menée à Paris dans le cadre du Salon International de l'Agriculture. Si cette opération vous intéresse ou si simplement vous voulez en savoir plus sur l'agriculture, découvrez le site www.ferme-ouverte.fnsea.fr.